Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission sur l'ensemble de son réseau. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. Hubert Velude à Birmingham pour rendre visite à Bertrand Traoré. D'aucuns diront que ça fait partie du quotidien des entraîneurs parce qu'un entraîneur a le droit de s'enquérir de l'état de santé de ses joueurs et surtout de leur forme physique et mentale en vue de la prochaine CAN. Mais il n'y a que Bertrand Traoré, ce n'est pas n'importe qui dans notre équipe nationale. C'est le leader moral du groupe, voire même technique. Et il n'est un secret pour personne que les débats se sont souvent cristallisés autour de la relation entre ce joueur et l'entraîneur et peut-être même les autres membres du groupe. Pas que Bertrand Traoré soit un pion gênant, mais non, c'est tout simplement parce que sa responsabilité est telle que tout son comportement est souvent décrypté. Entre Hubert Velude et Bertrand Traoré, on a l'impression qu'une certaine opinion tentait de les opposer, voire même de les amener à jouer des rôles qui ne sont pas les leurs. Alors, ce voyage à Birmingham peut-elle être le point de départ pour les étalons, pour une meilleure préparation, donc prélude à une bonne participation des étalons à la CAN? Tel est le thème que nous allons aborder ce soir. Et si le temps nous le permet, nous allons évoquer la participation du Burkina à la prochaine Coupe du Monde des cadets qui va se dérouler en Indonésie en novembre et décembre prochain. Alors, vous, chers téléspectateurs et auditeurs, vous allez avoir la parole en fin d'émission pour parler de ces sujets. Mais avant, nous allons débattre en plateau avec nos invités que je m'en vais vous présenter. À l'extrême droite, c'est notre Pakistanais du soir, Salifou Guigma de la radio Horizon FM. Salifou, bonsoir. Bonsoir, Madi. Bonsoir à tous. C'est le Burkinabé, il n'y a pas de Pakistanais ici. D'accord. C'est chez un Burkinabé? Ah oui, absolument. D'accord, envoie l'adresse à Dem. Non, il le faut. Il le faut. Alors... il me l'a demandé avant l'émission. D'accord. Alors, en face de Salifou Guigma, là, c'est mon nom. Ah, mais que je suis honoré. Mouhamadi Bagué, entraîneur de l'AS Onabel. Attention. Champion avec l'AS Onabel, mais actuellement entraîneur de l'US Force Armée. Vous voyez, je parle de leader, et comme il a gagné avec l'AS Onabel, il est clair que ce thème allait revenir à lui. Monsieur Bagué, bonsoir. Bonsoir, mon amour. Ben, c'est la première fois que vous venez à cette émission, et nous, ça nous fait un honneur de vous recevoir. Bonsoir. C'est ah, c'est possible, hein? Il y a plusieurs émissions. Bon, c'est vrai, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ben voilà, donc jamais un, sans deux, voire trois, quatre, cinq. La première émission, c'était sur la participation des équipes, des clubs en campagne africaine l'année dernière. Oui, d'accord. Ben waouh, mais ça date quand même. Ça date. Alors, bienvenue. Merci. Ou bien re-bienvenue entre griffes. Hein, merci voilà, pour les puristes du français. Excusez. Alors, Edem, bonsoir. Bonsoir, Madi. Tu passes voir le boutiquier de Salif Abra? Je dis que, bon, tu sais, bon, les Ivoiriens, ils sont capables de. Mais bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, Dem. C'est un Pakistanais, c'est Ivoirien. Voilà, Dem, vous le savez, c'est un des filous de cette émission. À côté de Salifou Guigma, c'est Sirim Arguima. Bon, je n'ose pas dire l'autre là parce que ça ne fait pas beau quand on parle du syndicat actuellement. Dem. Bon, Sirima, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir amis sportifs. Bon, d'accord, chers téléspectateurs, excusez les rires à Dem, il n'y a que lui qui sait pourquoi il rit. Nous, en tout cas, nous revenons, nous nous recentrons sur notre débat. Et comme je vous l'ai dit, Hubert Velude était à Birmingham où il a rencontré Bertrand Traoré. Alors, vous savez, quand on parle d'un leader, c'est quand même quelqu'un de particulier. Hubert Velude, dans la perspective de la CAN, évoquer donc la position des leaders et la préparation de ces équipes. On va écouter Hubert Velude avant de revenir en plateau. Ce qui peut nous propulser, ce qui peut nous faire un exploit, c'est le fait que la CAN se déroule en Côte d'Ivoire, pratiquement chez nous. Je pense que la moitié du Burkina va traverser la frontière. Les joueurs sont dans une motivation et une extrême, seront et sont par rapport à ça. Donc déjà,
Bien sûr, lors de la CAN, les joueurs seront hyper motivés, j'en suis persuadé, mais aussi dans la préparation. La manière d'aborder la CAN sera très importante. Et je sais qu'ils seront également très sérieux dans la préparation. Ils vont former un vrai groupe solidaire pour le pays. Je vois beaucoup de motivation. Ça, c'est notre force. La gestion et l'activité des leaders font partie de la dynamique de groupe. Et nous, on veut imposer cette dynamique de groupe. On veut avoir une vraie dynamique de groupe pour aller chercher les grands résultats. Et ce travail des leaders en fait partie. Donc, c'était Hubert Villul. Alors, moi, Madi Bagué, vous êtes toujours en activité puisque vous êtes entraîneur de l'US Forces Armées. Excusez donc du lapsus. Alors, quand on parle justement de leader, vous qui êtes entraîneur, quand on dit le leader d'une équipe dans un groupe comme ça, qu'est-ce qu'il faut entendre? Quelle définition on peut donner? Oui, ici, les leaders, merci beaucoup, Monomo. Il y a plusieurs aspects, voilà. Mais ici, c'est beaucoup plus le leader du groupe, c'est-à-dire dans l'aspect mental, pour guider le groupe. Parce qu'un leader peut être également le leader technique sur le terrain, voilà. Mais comme ce leader technique peut aussi incarner le leadership mental pour gérer le groupe, pour mener le groupe, voilà. Et en tant que capitaine, Bertrand incarne ces deux rôles, parce que vous êtes sans ignorer que c'est un joueur technique qui a une palette technique qui aide à débloquer beaucoup de situations sur le terrain, mais il endosse aussi le rôle de capitana. Et ce rôle de capitana ne se limite pas seulement au leader technique sur le terrain, il va plus loin pour l'équilibre du groupe, la dynamique du groupe. Je pense que c'est certainement ce qui a justifié, en tout cas, la visite de l'entraîneur, pour s'enquérir, parce que c'est un joueur qui actuellement ne joue pas beaucoup et qui est blessé. Peut-être que lui-même, si le leader même ne va pas bien mentalement, ça peut poser un problème. Certainement que c'est pour faire une mise au point de cette situation, parce que il fait partie des leviers très importants de ce groupe-là, parce que malgré son âge qui n'est pas très très avancé, il a beaucoup d'expérience dans ce groupe. Il a à son actif pas mal de phases finales de CAN. Et comme cette compétition est très importante, il faut activer ces leviers-là pour qu'ils puissent véritablement jouer le rôle qui est le sien. D'accord. Voilà. On va revenir à ça. Alors, justement, comme je le disais, le Bertrand, son nom était cristallisé parfois. Certains débats, on se rend compte que ce sont souvent de faux débats où on se rend compte que, bon, il y a peut-être des gens qui tiraient des ficelles à Ouadia, comme dit certains. Est-ce que cela peut, avec cette visite de Hubert Villul, est-ce qu'on brise ainsi la glace? Bon, moi, je pense que l'entraîneur est un responsable. Bon, il connaît son groupe. Et je ne suis pas convaincu que c'est le seul qui va rendre visite. Je n'en sais rien. Mais pour préparer une CAN, pour préparer une grande compétition, il a besoin de ceux sur lesquels il peut compter. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, mais il ne faut pas avoir des problèmes avant, parce que, quoi qu'on dise, Bertrand n'a pas beaucoup joué avec l'équipe. Hein. Donc, je pense qu'il compte sur lui, comme sur d'autres éléments. Et s'il a pu faire le déplacement, je pense que ce n'est pas une première pour un entraîneur. Un entraîneur, quand il veut tenir son groupe, beaucoup d'entraîneurs étaient là, mais qui ont rendu visite à leur joueur en Europe pour voir. Et puis, ce qui est important, pouvoir causer avec leur coach, savoir au quotidien ce qu'ils mènent comme vie, et etc. Donc, et voir s'il peut compter sur lui. Je pense que c'est ça l'essentiel qu'on peut dire sur cette visite. Mais il faut attendre de voir s'il va rendre visite à d'autres personnes. D'accord. Alors, Sirima, ça permet de détendre l'atmosphère, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi le joueur Bertrand lui-même, sans doute en toute responsabilité, avait dit que l'équipe n'était pas au mieux de sa forme, mais ça c'est tout simplement une appréciation objective. Mais est-ce que sur le plan de la dynamique du groupe, alors ça permet de détendre l'atmosphère? Oui, selon moi c'est déjà une bonne initiative que le coach puisse se rendre chez le capitaine de l'équipe nationale, puisque bientôt nous avons les échéances de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN. Donc cette visite aussi va permettre au capitaine de vraiment dissiper peut-être les mésententes qui se trouvaient entre
le coach et lui. Bon, puisqu'on a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mmh. Et à partir de là, je pense que ça, cette visite aussi ne va pas se limiter au capitaine. Parce que c'est un groupe. Et quand tout à l'heure j'écoutais l'interview du coach, il revenait fréquemment sur le mot groupe. Groupe, donc c'est très important de mener ces gens d'action afin que le groupe puisse être sain et pouvoir faire de bons résultats pour la CAN. Guillaume ? Non, c'est exactement cela. C'est une visite qui va booster le moral du joueur pour le leadership qu'il incarne aujourd'hui au niveau de l'équipe. Et après, je pense que lui-même, à une sortie, il a dit, le groupe humainement vit bien. Donc pour moi, il n'y a pas de nuage en tant que tel dans la vie sociale hein, de ce groupe-là. Mais même pourtant, on dit la fédération, il y a pour quelque chose dans cette vie. J'en arrivais. D'accord. Voilà. Et donc, même de loin, on peut observer quand même la bonne ambiance. Bonne ambiance entre les joueurs. Le groupe vraiment vit bien, comme lui l'a dit. Après, c'est vrai que sur certains matchs, il y a eu des matchs qui n'ont pas été totalement maîtrisés en termes de production, en termes de résultats. Et le capitaine l'a relevé également. Et quand on ajoute à cela ce que dit l'entraîneur, à savoir qu'il faut un groupe solide, il faut une dynamique dans la perspective donc, de la CAN. Je pense que l'un dans l'autre, on comprend aisément cette visite. Maintenant, vous l'avez dit, c'est voulu par le président de la fédération. C'est une initiative du président de la Fédé que Hubert Velud a effectué ce déplacement. Je pense que ça dénote également ici de la dynamique qu'on veut insuffler à partir même des dirigeants jusqu'aux supporters, en passant par l'encadrement technique, l'équipe, et cela dans cette dynamique de la CAN qui arrive à grands pas. Et comme le DEM l'a dit, ce n'est peut-être pas la dernière visite. Mais maintenant, ici, au-delà du fait que Bertrand ne joue pas assez du fait de sa blessure, il y a le ressenti qu'il aura par rapport donc, à cet apport, ce soutien qui émane donc de l'encadreur, du sélectionneur, par ricocher tout l'encadrement technique et bien sûr sous la poussée du président de la Fédé, donc du comité exécutif. Je pense que c'est des choses qu'il faut répéter parce que ça permet aux joueurs de se mettre d'aplomb et surtout moralement d'être fort. D'accord. Vous comprendrez justement que le cas Bertrand n'est qu'un prétexte pour parler justement de cette dynamique qu'on veut insuffler à ce groupe des étalons avant la CAN. Alors, Mohamedi Gbagué, quand on est à la veille d'une compétition comme la CAN, avec tout ce qu'il y a comme critique autour de l'entraîneur, autour du groupe, alors, est-ce que ce genre de déplacement, est-ce que quand on se focalise sur les leaders, l'entraîneur l'a dit, ça peut davantage rebooster et faire comprendre à chacun que c'est ensemble qu'on peut arriver à un bon résultat? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que le groupe, comme on l'a dit, la dynamique du groupe, la force du groupe est très importante dans ce genre de compétition. Puisqu'on a vu plusieurs fois qu'à ces compétitions, ce n'est pas nécessairement les équipes mieux armées techniquement, tactiquement, mais parfois aussi ces détails, je ne dirais même pas que ce sont des détails, font la différence à la dernière minute. On a vu des grandes équipes comme la Côte d'Ivoire perdre des finales face à des équipes comme la Zambie. Mm-hmm. Voilà, 2012. C'est franchement voilà, mené par un entraîneur qui a poussé le groupe et il y avait en tout cas cette dynamique. Donc c'est très important. Il y a des leviers. Les leviers, ce sont quand même, dans le groupe, il y a des leaders. Voilà, donc comme on l'a si bien dit tout à l'heure, certainement que cela ne va pas se limiter à Bertrand. Mais lorsque l'un des leaders aussi est dans une situation, comme c'est le cas que vit Bertrand actuellement, revient de blessure, ne joue pas suffisamment, il faut mettre beaucoup l'accent là-dessus parce que c'est très, très capital. Voilà, donc je pense que il n'y a rien d'autre à faire que de... Actuellement, là, il n'y a pas de regroupement. Il n'y a pas de regroupement. C'est travailler pour mettre les joueurs en confiance et surtout ceux qui sont, en tout cas, des joueurs très importants dans le dispositif. Donc, je pense que il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une très bonne chose. Et en plus de cela, cela peut même mettre le joueur à l'aise vis-à-vis de son entraîneur. Voilà, son entraîneur de club qui saura que le joueur aussi est très important et il est attendu. Et donc, il peut réfléchir deux fois par rapport à la situation du joueur et pourquoi pas par rapport à son temps de jeu.
Donc je pense qu'il peut avoir tous ces paramètres-là qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peut aider le joueur à mieux s'intégrer dans son équipe et peut-être à gagner un peu de temps de jeu qui pourront l'aider à avoir plus de confiance, voilà, pour D'accord. la suite. Alors, Dem, justement, pour tous ces joueurs régulièrement blessés, on passe naturellement à Lassina Traoré qui traverse aussi une période difficile parce que il joue pas, il est encore blessé. Bon, Cyril Bayala, lui, qui est out pour la CAN pour des histoires de ligaments, est-ce que ça peut amener les autres à se dire on peut se donner parce que tout simplement, on a non seulement le soutien de notre entraîneur national et par ricochet toute la nation. Non, moi, ce que j'ai à dire, les joueurs ont beaucoup plus besoin de l'équipe nationale. Parce que comme on l'a dit, quand il y a le regroupement et tout le monde va en équipe nationale et toi tu restes dans ton club, ça fait quelque chose. Mmh. Donc j'ai dit, non, les joueurs ont beaucoup plus besoin de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on en a assez pour que les gens sachent que venir à l'équipe nationale, ça booste même ta carrière là-bas. Parce que c'est des internationaux qui sont... Aujourd'hui, les clubs n'ont pas moins de 20 joueurs titulaires sur les listes. Mmh. Avant, c'était 16, 15, après les jeunes joueurs de l'école de football. Mais maintenant, les gens prennent beaucoup. Donc, quand il y a la compétition internationale, et toi, tu restes, tu n'es pas appelé, tu n'es pas bien vu. Donc, c'est pour dire que les joueurs ont intérêt à jouer et à venir en équipe nationale parce que ça favorise même leur carrière. Donc, voilà pourquoi j'ai dit non. Et on en a besoin. On a besoin de ces joueurs-là, mais ils ont beaucoup plus besoin de l'équipe nationale. D'accord. Alors, Sirima, on sait que ce n'est pas une visite à un joueur, le capitaine soit-il, qui peut en tout cas taire les débats qui font d'ailleurs partie de l'ADN du football. Mais est-ce que ça peut contribuer à peser un tout petit peu certains débats et nous orienter tous vers notre objectif commun qui est la CAN? Oui, ça peut le faire parce que aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de l'union sacrée autour de cette équipe. Parce que la CAN est déjà arrivée. Et un fait qu'on doit souligner, Bertrand s'est blessé lors d'un match de l'équipe nationale contre le Cap Vert. Donc oui. Aujourd'hui, ça peut même, si on ne le soutient pas, il peut se sentir un peu frustré parce qu'il s'est blessé à l'équipe nationale. Aujourd'hui, dans son club, il ne joue pas parce qu'il s'est blessé. Et maintenant, le fait que l'entraîneur parte au nom de la Fédération Burkinabé à leur rendre visite, je pense que ça peut le booster à venir. Sans oublier aussi la présence de l'entraîneur, du sélectionneur national va aussi mettre le coach d'Aston Villa, lui faire savoir que l'élément qui est avec moi est très important au sein d'un pays, d'une équipe nationale. Mm. Pourquoi ne pas essayer de le mettre en vitrine pour qu'il puisse gagner un peu de temps de jeu par rapport à la CAN qui est bientôt. Mm. Salif, ça peut accélérer la guérison? Il a grappillé quelques minutes. Quelques, oui, mais je veux dire, si j'ai dit la guérison, il y a la guérison physique, mais surtout la guérison mentale. Non, Bertrand est très fort. Hein. Il n'y a qu'à regarder comment il arrive à surmonter les blessures. Mm. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le jeune parce que ce n'est pas facile. Vous savez, l'ennemi numéro un, les techniciens vous le diront, c'est la blessure pour le joueur. Mm. Quand tu te blesses, c'est terrible. Il y en a, dès qu'ils sentent le claquage, on porte la tête entre les deux mains, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, la blessure, bon, c'est, on ne peut pas mettre carrément ce fait-là à côté, l'isoler, ça fait partie donc du quotidien des joueurs, mais quand tu es d'aplomb, c'est encore plus intéressant. Et je pense que quelque part même, il faut remercier le ciel parce que là, il a commencé à jouer et on n'est pas très loin du prochain regroupement. Mmh. Et avec les deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, où il faut rentrer avec beaucoup de sérénité, prendre le maximum de points, parce que c'est un championnat entre griffes. Ces éliminatoires-là, ça va sur 2 années, c'est très long. Et voilà, également, une fenêtre qui, à mon sens, va permettre aussi aux entraîneurs de regarder les joueurs pour la CAN. Une CAN avec un effectif très réduit maintenant. Vous savez que les places coûtent cher, on a 23. Mais moi, je tiens sur 21 quand vous savez qu'il y a forcément 3 gardiens de but et qu'il y a 2 qui vont rester peut-être jusqu'à la fin. Aussi que les gens amenaient 27, mais ils n'utilisaient même pas 20. Parfois, il y a certains entre nous. Non, mais vous savez... Donc, ça vous fait encore des dépenses. Non, mais demandez à Bagué, il va vous dire qu'il préfère 28 que 23. Oui, voilà, même s'il ne va pas utiliser. Voilà, ça c'est clair. Donc, c'est un peu ça. Et
Ajouté à ces blessures, Franck Lassina, si on l'avait, bon, j'espère qu'il pourra se rétablir d'ici là, je ne sais pas pour la CAN. Bayala est out, donc ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, il vaut mieux avoir quand même le capitaine avec toute la place qu'il occupe au sein de ce groupe-là, de l'équipe. Et là, je sais ce que ça peut valoir pour nous en termes de résultats. Donc, dans cette perspective-là, et vous savez également, au niveau de l'État, on a sonné la mobilisation avec ces comités mis en place. Je pense que l'un dans l'autre, c'est bienvenu et ça va permettre, comme vous l'avez dit, aux oiseaux du mauvais augure de comprendre qu'on n'a aucun intérêt à mettre des petites choses dedans. Il faut plutôt aller en rang serré pour qu'on puisse, hein, pour une CAN qui est à côté de chez nous, là, on puisse faire le résultat que tout le monde attend, à savoir donc remporter cette CAN. Alors, Mohamed Bagué, pour l'entraîneur lui-même, Hubert Villiers, pour son leadership et justement la conduite du groupe, est-ce que le fait de se dire que le leader moral de l'équipe et le leader technique, c'est lui qui l'a choisi, en tant que capitaine, il pouvait choisir un autre joueur, est-ce alors une complicité entre lui et moi peut constituer un adjuvant pour tirer les autres vers le haut? Oui, évidemment, évidemment. Vous savez, l'équipe du Burkina Faso, d'ailleurs, toutes les équipes du Burkina Faso jusque-là se sont bâties sur des effectifs, les hommes d'abord. Comme on le dit, Burkina, le pays des hommes intègres. Ce qui est sûr, c'est que même nos équipes nationales, c'est sur les hommes qu'on se base. Sinon, on n'a jamais eu de stars. En réalité, mais nous avons eu toujours des équipes qui sont très bien comportées dans les phases finales de CAN, et c'est par rapport aux effectifs, donc au groupe, à la vie du groupe. Donc je pense que l'entraîneur a très bien vu cela, il a compris que c'est sur cette base-là, sur ce ressort-là, que l'équipe peut s'appuyer pour faire quelque chose. Et comme je l'ai dit, dans l'effectif, il y a des piliers. Et Bertrand fait partie de ces piliers-là. Et il sait très bien que s'il est en synergie avec le capitaine, je pense que ça peut l'aider. Parce que quoi qu'on dise, le capitaine, il a forcément une influence sur pas mal de joueurs dans le groupe, qu'on le veut ou non. Et je pense que c'est valable dans toutes les équipes du monde. Voilà, on ne peut pas venir et imposer quelque chose sans s'appuyer sur un certain nombre de joueurs. Et Bertrand fait partie de ces joueurs-là. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Et s'il est en synergie avec Bertrand, beaucoup de choses peuvent aller, bien sûr. Et ça, c'est à la seule condition que Bertrand lui-même soit, en tout cas, au mieux de sa forme, à tous les plans, physique, technique et puis mental. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Bertrand a aussi besoin de ça. Voilà, c'est dit que Bertrand a besoin de lui, comme lui, il a besoin de Bertrand. Et donc, il a fait ce pas-là pour apporter son soutien à Bertrand. Et je pense que si Bertrand arrive à revenir au mieux de sa forme, et ça va se ressentir sur tout le groupe. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Oui, salut. Pour une visite pareille, on ne s'élève pas comme ça de façon inopinée pour arriver à Birmingham et puis dire qu'on veut voir Bertrand. C'est quelque chose qui a été organisé. Et c'est là aussi, il faut saluer quand même... le proche David Traoré, c'est son grand frère, qui a pesé de tout son poids avec la fédération à travers le secrétariat pour les courriers et autres, parce que ça ne se fait pas comme ça, il faut aussi relever sa main, c'est important, oui, c'est pas au pif. Dem, par rapport à l'entraîneur? Bon, je pense que depuis qu'il est là, je n'ai pas entendu qu'il y avait des problèmes entre lui et les joueurs. Hein. Non, mais je parle du groupe, pas de deux hommes. Je parle du groupe, voilà, parle du groupe justement. Oui, depuis qu'il est là, je sais qu'il y a eu des problèmes à un moment donné, avant qu'il ne vienne, avec l'affaire Bassé, etc. Mais depuis que l'entraîneur est là, je pense qu'il tient son groupe. Je n'ai rien entendu de problématique dans le groupe. Voilà, mais maintenant que des gens parlent dehors, que des gens veulent qu'on perde, bon, ça c'est autre chose, ça n'engage que... Oui, mais forcément, ça influence aussi, Dem. J'ai dit, je ne vois pas... Ceux qui pourrissent l'atmosphère, c'est pas à l'intérieur, c'est dehors. Non, oui, oui. Leur intention est que ça influe sur l'équipe. Mais je ne vois pas un joueur s'amuser avec une CAN, parce que c'est s'amuser avec sa carrière. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à écouter des gens, des groupuscules, et à oublier soi-même sa carrière. Je pense que tout le monde rêve de jouer une CAN. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait un véritable problème entre les joueurs et l'entraîneur. C'est ceux qui sont dehors, comme, qui veulent, qui
ils savent leur agenda, ça c'est leur problème. Mais en attendant, comme l'a dit Sirima, le plus important, c'est avoir une masse critique de Burkinabé qui croit à son équipe et qu'on aille en enserrer, parce qu'on ne peut pas amener. Quelqu'un l'a dit, les gens sont tombés sur lui. Moi, je vais le répéter encore, on ne peut pas rassembler tout le monde. Bon, voilà. Ça, au moins, c'est certain. Bon. Ce qui est certain, une masse critique. On comprend pourquoi tu l'es au début. Voilà. Sirima, par rapport à l'entraîneur lui-même, comme je répète la question, est-ce que Hubert Velud avait besoin donc de ça, en tout cas ce n'est pas dans une chose, pour montrer que lui, il est focus sur le groupe, il est focus sur la CAN et Bertrand Traoré est un pilier, comme Bagué l'a dit, comme tous les autres joueurs. Oui, c'est très important, comme je l'ai dit au début, parce que les échéances sont très proches. Il y a les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN qui approche à grands pas. Voilà, il fallait que l'entraîneur puisse mettre la confiance au sein de son équipe, puisque pas, je pense, moi je me dis quelque part peut-être c'est la dernière sortie du capitaine qui a peut-être occasionné ça. Voilà, puisqu'il y a eu une sortie de Bertrand. Oui, sur voilà. Donc peut-être c'est ça. Voilà, donc sûrement maintenant le coach l'approche pour mieux comprendre, pour qu'il puisse discuter et puis voir ce qu'il faut mettre à plat afin de pouvoir préparer les séances à venir. Donc, et comme je l'ai dit, je pense que cette visite aussi du coach ne va pas se limiter à Bertrand. Nous avons Franck qui est là, nous avons, comment on appelle ça, Bayala, bien qu'il ne pourra pas jouer. Oui. Voilà, le fait de les rendre visite aussi va les revigorer, les mettre en confiance afin qu'ils puissent avoir une pensée unique pour que l'équipe puisse engranger des victoires. D'accord. Salif, pour finir sur ce sujet avant de passer à l'autre. Il fallait que ça commence par le capitaine, quoi, en fait. Voilà. Ben ouais. D'accord. Par rapport à Velud lui-même. Oui, oui. À son leadership. Oui, absolument. Regardez tous les pays qui ont remporté la CAN. Il y a toujours eu ces cadres, ce leader ou ces leaders qui incarnent l'équipe. Il y a un rôle à jouer dans les vestiaires, un rôle à jouer sur le terrain. Parce que sur le terrain, il y a des moments, des temps forts et des temps faibles. Et si vous n'êtes pas ce leader, cet homme et capable... Comme on dit, le capitaine, c'est le relais de l'entraîneur. Exactement, sur le terrain. De faire ce travail parce que, bon, l'entraîneur n'est pas dedans. Et les joueurs se parlent. Si vous n'avez pas donc ce leader-là, c'est compliqué. Je pense déjà que ça sonne dans la tête de tous les protagonistes qu'aujourd'hui, on a intérêt à le faire. Et ça, je pense, ça doit être une référence. Par rapport donc à cette dynamique lancée pour la CAN. D'accord. Alors, vous savez, je me rappelle toujours, Dem le connaît, comment il s'appelle, qui repose en paix, c'est Pascal Ouédraogo du Vitinic, qui disait quand il y a Efo Asfa, quand l'arbitre Tombiano fait pii, lui et son capitaine, il a dit son capitaine, ils se rendent compte que le soleil s'arrête 5 minutes avant de bouger. Voilà, donc vous comprenez le rôle, l'importance du rôle du capitaine. C'est possible, ça. Dans un groupe. Donc, tu vois, aussi simple que ça, il n'y a que lui et son capitaine qui sentent que le soleil s'arrête. Donc, voilà. Alors, je souhaite que Bertrand joue ce rôle comme l'a joué Golbert aux côtés de Vidini. Ah oui, oui, voilà. Donc, on va clôturer ce chapitre et on va passer à notre deuxième sujet, c'est la participation des étalons cadets à la Coupe du Monde en Indonésie. Ça sera du 10 novembre au 2 décembre, pardon, 2023. Les étalons sont dans le groupe E en compagnie de la France, des États-Unis et de la République de Corée. Le premier match des étalons, c'est justement le 12 novembre contre la France. Alors, Mohamadi Bagué, depuis la dernière participation du Burkina à une Coupe du Monde, c'est depuis 2011 au Nigeria. Alors, comment vous voyez ce groupe? C'est vrai, on a fait une très bonne CAN puisqu'on a amené la médaille de bronze. Mais là, c'est quand même le niveau mondial. Comment vous voyez cette Coupe du Monde des étalons, surtout qu'on est avec des équipes de jeunes? Oui, en tout cas, c'est une équipe qu'on a eu l'occasion de voir. On a même joué mon équipe, je veux dire l'USFA, pendant les phases de préparation, on a joué même contre cette équipe-là. C'est une équipe véritablement aguerrie parce qu'on a longtemps eu une équipe cadette où on peut compter 2, 3, 4 joueurs titulaires en première division qui jouent. Voilà. Donc cette année, on a cette équipe-là et sincèrement, ils sont très aguerris. Voilà, et même pendant la préparation, ils ont joué presque jeu égal avec pas mal d'équipes de première division. Et l'impression que j'ai vue, tout de suite, ils sont décomplexés.
ils sont décomplexés, ils jouent, voilà, ils ont cette faculté-là, cette insouciance-là, et ils marquent beaucoup de buts. En tout cas, je sais que le match s'est soldé 5 buts à 4 en notre faveur, mais 4 planqués, 4 buts à une équipe de première division, ça veut tout dire. Et ce n'est pas seulement la préparation au Burkina. Vous voyez, même au Maroc, actuellement, ils font de très bons matchs et contre des équipes même de première division. Voilà. Donc, moi, je pense que la préparation. Ils ont battu fils de Rabat 3-0. Voilà. La préparation se passe de bout en bout assez très bien. Physiquement, ils sont là, ils sont suivis par un encadrement qui suit tout à la préparation physique, les tests physiques qu'ils les ont fait ici. J'ai vu d'autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. C'est vrai que c'est le niveau mondial. Mais je pense que dans la compétition cadette, là, on n'a pas besoin d'avoir peur de certains pays parce que c'est des jeunes, c'est tous des jeunes. Et à cet âge-là, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc moi, je pense que c'est vrai que la poule est très relevée. La France, on sait qu'ils ont un grand vivier pour les jeunes. Voilà. Mais on pense que nous pouvons, dans cette poule-là, on a notre mot à dire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, si je vous dis Luis Figo, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Phil Foden, Victor Osimhen ou Neymar, ce sont des joueurs qui se sont tous révélés à travers cette Coupe du Monde des cadres à la DEM. Ça peut être une vitrine pour nos garçons qui ont aussi du talent. Je veux parler au jeune Soilio pour ne parler que de lui. Oui, moi je pense que surtout le groupe, parce que quand on regarde l'équipe là, ils ont le sens du groupe. Voilà, et c'est des jeunes qui croient en eux-mêmes. Depuis la compétition qu'il y a eu, qu'ils ont livré au Ghana, avant le Nigeria, je pense. Et quand on regarde, mais cette équipe a été totalement décimée. Oui, mais ça veut dire que l'équipe est bien tenue par son encadrement technique. Et c'est la même règle du jeu depuis le départ. Et je pense que l'équipe-là, elle peut nous réserver de grandes surprises à la Coupe du Monde. Et surtout pour l'avenir. Parce que si ils ont déjà l'essence de l'équipe nationale en étant jeune, je pense que quand ils vont arriver en senior, ça va nous valoir. Et rappelez-vous, c'est des jeunes qui ont été à Trinidad, Tobago, etc. En 2000, bon, en 2001. Qui nous a valu ces équipes nationales après. C'est vrai que la majorité n'arrive pas en A. C'est quand même difficile. Mais deux ou trois, ça arrive toujours. Mais c'est déjà bon. Vous savez que maintenant, de plus en plus, nos jeunes joueurs arrivent à percer. Mais vraiment, je les souhaite beaucoup de chance. Et espérons que ils nous reviendront cette fois-ci avec la Coupe. On ne sait jamais. D'accord. Alors, Sirément, USA, Corée du Sud, ce n'est pas la Corée du Nord, c'est la République de Corée. Donc, c'est la Corée du Sud et la France, on peut s'en sortir dans cette poule. Oui, on peut s'en sortir. Même si ce sont des jeunes, comme on dit, on ne les connaît pas. Bon, moi, je n'ai pas une grande inquiétude à ce niveau. Quand j'ai vu le tirage au sort, avec l'encadrement technique qui est à côté de ces jeunes-là. J'ai toujours parlé de ça. Voilà, c'est des gens qui ont joué au football, voilà, qui savent de quoi il s'agit. Que ce soit Brahma Traoré, que ce soit Zongo Mamadou, que ce soit Ousmane Koulibaly Tom, tous ceux-là, ils ont fait l'équipe nationale du Burkina et qui ont été à l'extérieur, à l'étranger. Ils ont mené leur talent là-bas. Et comme je le disais, j'ai côtoyé ce groupe depuis qu'ils ont joué le tournoi IFOAB, ensuite la CAN U17. Et ce qui me rassure, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de DRM après la CAN. C'est-à-dire que c'est le même groupe qui a joué la CAN qui continue. Parce que moi, un moment, j'avais peur parce que je me disais que s'ils devaient faire l'IRM et qu'on devait éliminer. Parce qu'à chaque fois, après l'IFOAB, ils étaient obligés d'éliminer et recommencer. Maintenant, après la CAN, on devait éliminer encore, recommencer pour aller jouer la Coupe du Monde, ça allait difficile. Dieu merci, la FIFA a épargné cela. Donc, on a déjà un noyau qui va aller jouer, comment on appelle ça, la Coupe du Monde. Oui, ça, c'est le problème de la FIFA. Parce que quand c'est des jeunes joueurs, rapidement, l'âge est dépassé. Donc, la programmation est importante. La CAN jusqu'à la Coupe du Monde, ça doit être dans la même fourchette. Sinon, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut la progression des jeunes joueurs, il faut que ce soit les mêmes qui arrivent à jouer à la CAN, qui arrivent à jouer à la Coupe du Monde. Sinon, si tu joues la CAN une année pour jouer, après pour jouer la Coupe du Monde, bon, tu auras perdu plus de la moitié de ton équipe. Je pense que ça, c'est pas... Ce que la FIFA ne permet pas, la FIFA ne permet pas à un joueur dans les petites catégories de jouer deux fois de suite la même compétition. Oui, voilà, je suis d'accord. On avait eu le cas avec Bertrand Traoré. Oui. Voilà, qui devait. Non, ça c'est une bonne initiative, voilà, mais la programmation est très importante. Oui, ce groupe-là, je sais qu'on fera un bon résultat. Et ces jeunes-là, je les ai suivis pendant les préparations au Maroc, puisqu'ils ont joué deux matchs contre l'équipe nationale U16 du Maroc, où le premier match, ils ont fait
2-2. Mm-hmm. Le dernier match, ils ont gagné 3-0. Le dernier match contre FUS, ils ont gagné 3-0. Ils ont un match demain contre l'équipe des Berkane. Mm-hmm. Voilà, donc c'est une équipe qu'on suit régulièrement et on sait de quoi ils sont capables. Alors, Digma, le fait que le coach Brahima Traoré est passé un long temps en Asie, puisqu'il a longtemps duré aux Émirats Arabes Unis, donc il connaît un peu en Indonésie, il connaît bien la zone, ça peut être un atout pour nous. Absolument. Je pense qu'il a même relevé, hein, un entretien, il a relevé ça, et il connaît la zone, pratiquement tous les stades, et également la mentalité de la population là-bas, et je pense qu'il risque d'être peut-être même, la vedette au niveau de la presse locale là-bas, mm-hmm. pour ce qu'il a fait. Parce qu'on le connaît bien. On le connaît très bien. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est forcément un atout. On l'a relevé à l'accompagnement technique parce que c'est Bebeto, c'est lui qui ont fait les beaux jours de l'équipe nationale. C'est un accompagnement technique à la hauteur. Et l'expérience des joueurs, comme l'a dit Bagué, parce que beaucoup jouent en première division. Et j'ai même envie de dire qu'on a l'un des meilleurs latéraux, Lassina Traoré, qui est présent. Et ajouté à ça, techniquement sur le terrain, vous avez une très bonne colonne vertébrale, Sokondo en passant par Camara jusqu'à Alio. Bref, il y a tous les ingrédients sont réunis pour qu'on fasse une très bonne Coupe du Monde. Maintenant, il y a des incertitudes en matière de football et autres. C'est pourquoi j'espère qu'on puisse faire une bonne entame, réussir l'entrée. Entrer en matière, si on réussit cela, ça va davantage décrisper les jeunes. C'est vrai qu'ils ont cette expérience-là, mais disons-le, c'est à la CAN. Là, nous sommes en Coupe du Monde. Il faut passer un palier pour être tranquille, stabilisé dans la tête, avant donc de voir la suite. Et ça, ça peut être très, très bien pour nous. Alors, le programme du Burkina, c'est simple. Le 12 novembre, c'est la France. Le 15, les États-Unis. Et le 18, c'est la République de Corée. Alors, Mohamadi Bagué, quand on prend les équipes de jeunes, on le dit souvent, il n'y a pas assez de compétitions de jeunes au Burkina, en tout cas, pas aussi régulièrement qu'on le veuille. Bon, et on veut des équipes, une équipe nationale compétitive. Quoi qu'on dise, même si on a fait une bonne CAN face à des équipes comme la France, comme les États-Unis, je ne connais pas trop le football coréen, mais en tout cas, je sais que ces deux pays sont bien organisés. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un handicap? Oui, parce qu'il faut reconnaître que l'organisation à l'interne, c'est-à-dire les championnats des petites catégories, bon, et en tout cas, il y a du mieux, mais ce n'est pas au niveau des pays que nous rencontrons, c'est sûr. Voilà pourquoi nous satisfaisons du fait qu'il y a des joueurs dedans qui jouent déjà en première division. Mmh. C'est par rapport à la compétitivité, parce que nous savons qu'après, il n'y a pas des U20, U19, ainsi de suite. Mais on a la chance que dans ce groupe-là, il y a pas mal de joueurs qui déjà compétissent au niveau de la première division. Mmh. Et ensemble, ils ont aussi joué pas mal de matchs. Pas mal de matchs qui les a suffisamment aguerris. Parce qu'il faut que d'abord, individuellement, les joueurs soient très bien aguerris, mais tactiquement également. Et comme on a confiance, parce qu'on sait que c'est un encadrement quand même de très bon niveau qui est là-bas, donc nous savons que c'est tactiquement aussi que beaucoup de choses vont se faire. Parce que le problème de notre football, c'est qu'au niveau des petites catégories, parfois, on nous piège tactiquement. Parce que voilà, on travaille trop la technique, c'est bien beau. Mais tactiquement, parce que la compétition, c'est la stratégie. Mmh. Et parfois, nos jeunes ne sont pas très bien aguerris dans la stratégie parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'enchaîner des matchs. Voilà. Mais cette jeune équipe a enseigné pas mal de matchs. Nous pensons que normalement, elle aura suffisamment d'armes. Parce que dans tous les cas, les jeunes africains sont très vivaces. Physiquement, ils n'ont pas grand-chose à envier aux autres pays. Après, c'est surtout souvent dans la stratégie. Vous voyez que le Ghana, le Nigeria, ils ont déjà fait des très bons résultats à cette compétition-là. Mmh. Voilà, les jeunes africains, ils ont la vivacité, ils ont l'endurance, ils ont la force. Voilà, après, c'est au niveau tactique et technique un peu que nous pêchons. Mmh. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute l'organisation autour. Ça veut dire que les moyens mis pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, parce que ça aussi, il faut le relever. Mmh. Voilà, l'hébergement, nous savons qu'au Maroc, ça se passe bien, mais il faut que tout soit très bien jusqu'au début de la compétition.
et pour que les joueurs puissent s'exprimer au maximum. C'est les jeunes. D'accord. Vous avez 3 matchs en moins de 10 jours. Voilà, donc il faut bien gérer tout ça pour qu'ils soient à mesure de recevoir. Oh, Irène Nana va ouvrir le téléphone. Vous allez pouvoir appeler donc pour donner votre contribution à cette émission, chers téléspectateurs et auditeurs. Alors, Dem, ça se joue très loin, en Asie du Sud-Est. Je crois que le décalage horaire doit faire autour de 8 heures. Par moment, ça joue un sale tour aux équipes africaines, parce que je me suis dit qu'en Nouvelle-Zélande, quand on est parti en 99, on disait les enfants se réveillaient la nuit pour voilà pourquoi la FIFA exige au moins une semaine qu'ils soient sur le terrain pour pouvoir maîtriser la chose. Mais il faut dire une chose, nous faisons beaucoup un miracle avec notre football. Parce que vu les moyens que nous avons, que nous mettons dans le football par rapport aux autres, moi je pense que c'est un miracle que le Burkina se retrouve là où il est. Parce que ça, c'est, il faut être honnête, c'est pas la même chose. Donc, si le jour qu'on aurait, je ne dirais pas assez de moyens parce qu'on n'aura jamais assez de moyens, mais qui nous permettra d'organiser notre football beaucoup plus efficacement, nous ferons des résultats. Parce que je ne dirais pas beaucoup parce que lui il est coach, il voit, lui il est ancien footballeur, il dit il a des problèmes à son syndicat et les joueurs. D'accord, Dem, c'est un miracle. D'accord, on prend une téléspectatrice, excusez-moi parce que c'est pas facile. Madame, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Madame Tiemde, nous vous écoutons. En tout cas, l'émission me bat pas au cœur. Ah, merci, madame. En tout cas, moi, j'apporte tous mes encouragements au U17. Ah, ok. Parce que pour être franc, moi, j'ai espoir à ne plus que l'équipe nationale. Oui. Pour suivre les seniors, j'allais dire. Oui. Voilà, les U17, là, en tout cas, moi, j'ai foi en eux, plus que les grands frères, j'allais dire. Ah, mais pourquoi? En tout cas, parce que, en tout cas, on a vu que je suis là. La CAN U17 passée. Oui. Et je sais que si on continue dans ça. Oui. Avec un peu beaucoup de sérieux. Oui. Voilà, ça va aller. Ça va aller. La relève, en tout cas, je n'ai pas peur pour la relève. Le 12 novembre, vous pensez qu'on peut soulever. Le 2 décembre, vous pensez qu'on peut soulever le trophée à Jakarta? Oui, ça c'est sûr, pourquoi pas? Ah oui? Et puis mon souhait le plus ardent est qu'on bat la France dès la première et dans le premier match, j'allais dire. Ah, Amina. Voilà, c'est tout mon souhait. Merci. En tout cas, bravo et vraiment beaucoup de courage à eux. Merci, madame. Merci. Madame ressemble à la fois. Préfère battre les Fouquets d'être champion. Bon, nous, on parle de Coupe du Monde. Tu nous ramènes là où c'est là. Bon, d'accord. On ne va pas contribuer, Sirima. Voilà, moi, je voulais rebondir ici. Oui, vous aussi, chère, vous pouvez appeler ma comme Madame Tiemde pour apporter votre tout contribution. Tout à l'heure, parlait des miracles au niveau de l'organisation. Oui. Effectivement, quand on regarde, par exemple, la préparation des cadets, il y avait un problème qui avait été concordé. C'est-à-dire, on devait aller le premier. Octobre, on devait se retrouver d'abord au Maroc, faire un stage, ensuite se retrouver en Malaisie, et avant de partir le 1er novembre en Indonésie. Okay. Mais malheureusement, faute de moins, le stage a été reporté de report en report. On dirait que c'est une semaine après que l'équipe a pu rallier Rabat. Et ensuite, actuellement, on était obligé de mettre en pause le stage en Malaisie. Ouais, or, tout cela pouvait nous permettre de prendre la température, voilà, le décalage horaire dont on parlait tout à l'heure. Bon, peut-être que ça pourrait permettre aux enfants de s'habituer avant d'aller jouer la compétition. Mais malheureusement, bon, c'est pas... Oui, ça livre par rapport à la compétitivité et à l'environnement même de la compétition. Non, moi, ce qu'il faut d'abord relever et saluer, c'est le travail qui a été fait et qui a permis au Burkina de revenir au niveau de l'échiquier mondial. C'est depuis 2011. 12 ans après, parce qu'il faut saluer dans un premier temps cela. Ensuite, on ne le dit pas assez, mais le Burkina a sorti le Ghana et le Nigeria pour être là où il est. La dernière fois que je suivais le tirage au sort, j'ai eu mal au cœur qu'on dise que les grands absents, c'est le Ghana, c'est le Nigeria. Mais on ne répète pas que c'est du fait du Burkina qu'ils ne sont pas là. Salif, il faut que nous nous battons parce que là, c'est un problème de notoriété. On n'y peut rien. On est obligé de se battre davantage. On prend un téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur?
Monsieur Chidon, même de Sali. Vous nous appelez d'où? De Fada. De Fada. Ouagadougou, Ouagadougou. Ah, de Ouaga, d'accord. On vous écoute, monsieur. Monsieur Sila. Ah, ok, ok. Hey, alors. Sia. Ah, Sia, ok, d'accord. Sia, donc. D'accord, ça marche, on vous écoute. Sia. Oui, Sia, ok. Alors, d'accord, Franck Sia. D'accord. Oui, ça va, oui, allez-y. Avec Dem, qui est là-bas. Oui. Moi, j'apprends d'abord les Arocanais. D'accord. On va battre la France. Oui. Moi, mon soir, on gagne la France. Tout le monde a la France, on a eu la coupe. Ok. D'accord. Bon. La France n'est qu'un adversaire parmi les autres. Voilà. Battons la France, mais battons aussi les autres. Parce que si on bat uniquement la France, on ne prendra pas la coupe. Ça, au moins, c'est sûr. Non, alors donc. Non. C'est... Le tout n'est pas de gagner les faux. Non. Dem parle. Dem est domestique. Moi, je suis mondial. Oui. D'accord. Oui, Salif. Les faux n'en fait pas une fixation. C'est d'être champion, c'est ça? Donc, revenons à ce que je disais. Non. Bon, ça. Salut, je veux être. Salut, on vous écoute. Voilà. En fait, il ne faut pas aussi, je suis d'accord avec ça, hein. Oui. Il ne faut pas que le match d'ouverture, le match d'entrée soit déjà une finale pour nous. Oui. Parce que c'est la France qui est là. Mais j'ai bien aimé ce que Bagay a dit. Mm-hmm. Au niveau de la petite catégorie, il ne faut pas se fier au nom. Mm-hmm. Voilà, vous vous rappelez-vous, hein, quelqu'un parlait de Tobago, non, Trinidad Tobago. Trinidad Tobago en 2001. Oui, où on a tombé les. L'Argentine, les gros noms. Aujourd'hui, c'est vrai que également le vivier en termes de jeunes au niveau de la France, on le sait, hein. C'est un exemple en Europe. Ah oui, d'ailleurs. C'est en Europe. Voilà. Mais là, on a des jeunes qui sont compétitifs. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est d'abord le premier atout du Burkina, c'est ça. Mm-hmm. La compétitivité des jeunes. Mm-hmm. Voilà, ça enlève tout complexe. Mm-hmm. Et maintenant, ouais, l'encadrement technique avec l'expérience qu'ils ont, mm-hmm. et ajouté à l'organisation autour, je pense qu'il manque le petit truc qui va nous permettre de faire une très bonne entrée. Mm-hmm. Et je serai, moi, pratiquement sûr que, même si on ne touche pas le métal, on ne sera pas très loin. D'accord. Alors, moi, Madi Baga, on est presque en fin d'émission. On va continuer. On va rester justement avec ces jeunes-là. Au-delà de tout ce que vous avez dit, quel est l'encadrement technique? On connaît le milieu, on a les joueurs. Mais quel est ce petit quelque chose, comme vous les entraîneurs, vous aimez le dire, la poudre de perlimpinpin, pour reparler comme Pascal Ouédraogo dit, Vidini, qui peut nous justement permettre de toucher le Graal. En tout cas, généralement, quand tout est bien fait, ce sont les détails maintenant qui vont faire la différence. Okay. Voilà, ces détails-là, je reviens encore sur l'organisation. Parce que parfois, à la fin d'une compétition, on voit seulement l'aspect sportif, mais tout ce qui est derrière, on ne voit pas. Et 7, ils sont aujourd'hui au Maroc, mais nous les avons vus ici au Comet. C'est pas mal, mais on sait que pour une équipe qui se prépare pour une Coupe du Monde, du pain, beurre, machin, tout, c'est pour dire, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais c'est quand même à la Coupe du Monde que nous allons. Donc, ces détails-là, c'est très important. Il faut que ces jeunes-là soient bien suivis par tout ce qui tourne autour. Pas seulement l'académie, purement et simplement, c'est technique médicale, les kinés, tout, mais pas à la phase, c'est-à-dire pendant le début de la compétition, non, même avant, le suivi, l'alimentation, tout. Parce que c'est ce que les Français, les Américains ont de plus que nous. Et ça peut mettre les joueurs en confiance, même les psychologues. Parce qu'on veut quoi? On veut remporter la Coupe du Monde. Ça ne se remporte pas comme ça. Donc je veux parler de tous ces détails-là. Alors Bagué, les psychologues, justement, il y a un psychologue du sport qui disait qu'il aurait fallu qu'il ait un psychologue à côté de cette équipe, parce que ça fait quand même depuis 12 ans que le Burkina n'a pas joué une Coupe du Monde. Justement, c'est pour dire que ces détails-là, du haut niveau-là, sont très importants. Mais chez nous, ça n'existe pratiquement pas. Ou il faut attendre peut-être le jour du match ou quoi. Voilà, ça fait partie de la préparation. Lui-même, il a un programme de préparation. Voilà, et c'est très important pour que le joueur n'ait même pas peur de quoi que ce soit. Parce que les matchs que nous jouons ici, c'est des matchs où on n'a même pas, je ne sais pas moi, le nombre de spectateurs à la Coupe du Monde. Vas-y, imaginez, ça peut inhiber le jeune. Est-ce que l'entraîneur seul peut décrisper cela? Il y a tout un planning qui est très important,
qui peut suivre et permettre aux enfants d'aller chercher cette compétition-là. Ce sont souvent ces petits détails-là qui peuvent manquer à l'arrivée. Sinon, on a vu, pas seulement au Burkina, on a vu l'équipe du Nigeria, l'équipe du Ghana, même l'équipe du Burkina, Trinidad Tobago ici. C'est pour dire que là-bas, on n'a pas peur. Au plan physique, on n'a pas peur. Mais ce sont ces petits détails liés à l'organisation-là qui peuvent être décisifs à l'arrivée. D'accord. Et nous espérons que tous les petits plats seront mis dans les grands plats pour que, enfin, le Burkina soit respecté, ne serait-ce qu'au plan des 8-17, au plan mondial. Dame pour finir. Voilà. En tout cas, moi, je pense qu'après ça, j'espère qu'on sera dans le carré d'as. Mais il faut qu'on se pose une question. Pourquoi nous faisons de grands résultats dans les petites catégories? On n'arrive même pas à arriver en demi-finale de la Coupe du Monde senior. Et ça, c'est une question. Ça, ce n'est pas seulement le Burkina. Je parle de l'Afrique. De l'Afrique. Ah, de l'Afrique, d'accord. Parce qu'il faut dire que dans le palmarès de la Coupe du Monde U17, le Nigeria et le Ghana sont les pays et de loin les plus titrés. Oui. Voilà. Donc, Et l'exemple est bien donné parce que quand tu prends le célèbre. Parce qu'il y a des joueurs qui ont disparu de la circulation. Ah oui, ni l'Amti. Quand tu parles de l'Amti, il faut parler d'Issaka Aoudou. Issaka Aoudou. Oui, il y en a Fred Adou. Voilà. Et c'est bon de rappeler que même au niveau du Burkina, le seul rescapé, c'est Bertrand Traoré après la CAN U17 en 2011. D'accord. Oui, Sirima, pour finir. Oui, bon, moi, je pense que le groupe est abordable. Il faut que nous fassions. Les enfants que j'ai suivis depuis l'UFOAB et la CAN, je sais que ces enfants-là vont sortir de ce groupe-là. Mmh. Les phases éliminatoires, ils vont sortir. Ah oui, il y a un autre qui me vient en tête. Souleymane Koulibaly, l'ivoirien du Mexique, là, qui a des frites, tout ça, on va finir. Oui. C'est juste pour dire un grand bonsoir à mon ami Wayen de la RTI. Oui. C'est vrai, avec les détails dont parlait Bagué, il faut aller sur cela. Mais je pense qu'ils sont aussi jeunes, il ne faut pas trop mettre la pression sur les jeunes. Il faut leur laisser le temps d'aborder le match et ne pas trop. Parce que là également, ça compte. Quand vous mettez trop la pression, vous mettez trop la pression, après, ça peut être difficile. Ils montent, on a la peur comme ça, et la tête qui s'enfle, c'est pas intéressant. D'accord. Voilà, il faut, rappeler les droits, l'opportunité et tout ce qu'il faut, mais laisser les jeunes jouer le football. Alors, c'est ça le rôle du psychologue. C'est là le rôle du psychologue. De toute façon, quand Dem s'appelait Okala dans les buts, leur psychologie, c'était le Nasigui. Voilà, on frotte les mains et puis voilà. Ils nous ont battus. Oui. La fois, je parle du sujet. Et en demi-finale, ils ont été battus par l'équipe de Koudougou. Dem, c'est bon. Merci. Et donc. Merci, on va dire merci. Donc bonsoir à la merci. Fois. Moi, c'est que l'entrée en matière pour d'accord. Du match. Moi, du nous on va dire novembre. Ici. Nous on va dire ici. Salut Boaké, parce que nous sommes en train de nous réunir et tous les Burkinabés sont focus sur la CAN et tout le monde travaille. Pour ça, on va en attendant, on va dire allô Jakarta, parce que la Coupe du Monde des cadets. Nous voulons le plus beau métal. En 2011, on a eu le bronze, mais pourquoi pas l'or maintenant? On a là la capacité. Parce que le champion, c'est celui qui croit en lui-même. Quand personne ne le croit, et nos étalons cadets en ont la capacité, n'en parlons pas des seniors. Alors, on va dire, Salif, merci. Merci. Ben, tu montres. J'ai préparé tout pour Dem. Pour Dem. Ah, Boaké. Oui. Oui, mais en attendant, montre-lui ton même, couture. Même le match d'ouverture de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Tout est fait prêt. D'accord. Ouais. Merci à Sirima d'être venu. Merci à Dem. Oui, que je n'ai pas besoin de lui à Abidjan. Et puis, je ne te permets pas, mais il faut me laisser être focus contre la fin du le 1er novembre. Et terminer le travail. Justement, Dem est en train de lancer quelque chose. Vous savez que la 10e journée, il y a un certain Efo Asfa. Oui. Et on va en parler. Dem, tu seras là quel que soit le résultat. De toute façon, j'ai dit aux gens de l'Alpha que c'est feu de paille. D'accord. Voilà. Merci Mohamedi Bagué d'être venu. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Merci à vous, chers téléspectateurs de BF1 et vous, chers auditeurs de la radio Horizon FM. On va dire encore un grand merci à ceux qui se battent nuit et jour pour que nous puissions venir parler librement ici chaque vendredi. La victoire est pour bientôt. Sur ce, on va se donner rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur du sport. Au revoir.